Non, c'est grave les gars, il fallait que j'en parle. Il fallait que j'en parle. Moi, il y a des trucs, il y a une seule chose que j'aime pas dans la vie, c'est les foutaises. Vous voyez là Jules Koundé, il est bien habillé, voilà, et bien sapé comme à ses habitudes. Voilà, on le connaît pour ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Attendez, vous allez comprendre où je veux en venir. Là, comme vous pouvez le voir, encore une fois, il est très bien habillé. Voilà, c'est l'une de ses sapes les plus connues. Vraiment, le gars dans le monde du football, il n'y a pas son deux en termes d'habillement. Ça, on est tous d'accord. Mais ce qu'il a fait avant-hier, là, moi, je cautionne pas ça. Les Barcelonais doivent se révolter contre lui. Ce qu'il a fait avant-hier, c'est un manque de respect. Comment ça se fait que toi, Jules Koundé, tu nous as habitués à des outfits de malade? Mais toi, t'attends le jour de la cérémonie en l'honneur de Sergio Busquets, une légende du FC Barcelone, pour te ramener comme ça. Qu'est-ce que tu nous as fait là? C'est quoi ça? Je sais pas si c'est Kanye West qui t'a conseillé, mais là, ce que tu nous as montré avant-hier, là, ça se fait pas. En respect pour Sergio Busquets, ça se fait pas. Là, t'as pas respecté Sergio Busquets. Comment t'as pu passer de ça à ça? Sérieux? Non, là...